5e et dernière partie de cette interview, la médiumnité, l'entourage et son extérieur. J'ai eu l'opportunité, Christine, en fait, de découvrir lors de ta première conférence et j'en suis réjouie parce que croyez-moi, j'étais accompagnée de mon amie qui m'a un petit peu tirée et j'avais pas forcément envie d'y aller. Donc voilà, donc, et j'ai été agréablement surprise eh bien, de ta prestation. Très réussie, haute en couleurs, haute en émotions et à ton image. Donc tout était très élevé en fait. Et dans la salle. Et chez toi, et autour. J'ai vraiment aussi envie que tu puisses aussi comprendre, là je m'adresse directement à toi, vraiment, par le biais de cette vidéo, sur le fait en fait que tu te mets en scène, mais pas que pour ce truc de « voilà, je suis Christine, médium, guidance intérieure, je vais faire des conférences. » Non, c'est pas ça en fait. Il faut vraiment que ça puisse être perçu, le fait que déjà d'une, c'est pas toi qui t'es mis en scène là directement par le biais de cette vidéo, c'est moi qui suis venue te chercher à l'issue de cette conférence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eh bien, tu te mets en scène avec cette conférence et les autres afin d'apporter vraiment cette guérison. Il y a vraiment ce don de soi, pour le plus haut, pour cette humanité, que même si elle est malmenée, même si on se malmène, eh bien on s'aime tous et qu'on a tous le même désir et on est tous dans le même bain. Il y a toujours ce truc de, outre la guérison, il y a une certaine envie de libération, libérer quelque chose, se libérer d'un poids, parce que aussi je sais ce que ça fait et que moi aussi en fait je pense être à même de pouvoir vous aider parce que je suis passée aussi par là. Et toujours avec ce même amour bienveillant pour tout ce monde en fait qui m'entoure. C'est pas pour moi, c'est pour tout ce monde qui m'entoure. Je voulais savoir qu'est-ce qui avait changé en toi, dans ta vie et dans ta médiumnité depuis cette première conférence. Je me sens bénie. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Je reçois plein d'amour tout le temps, là. Je sais pas, c'est très étrange. J'ai jamais été aussi près du ciel, dans le sens... merveilleux du terme. Voilà, depuis ça, quoi, c'est... je me sens honorée, je sais pas... voilà, honorée, c'est le mot. Comment ton entourage, famille, amis ou autres, en fait, te perçoivent-ils depuis, en fait? Que disent-ils? Enfin, voilà, depuis cette, un petit peu, cette mise en scène, et c'est pas fini, en fait. Tu es vraiment en train d'affronter quelque chose. Donc, c'est vrai que le regard extérieur... Il y a un peu de tout. Il y a très peu de personnes, une ou deux, enfin bon, je suis très personne, voilà, qui sont très heureuses pour moi. Enfin, pour moi, c'est même pas heureuse pour moi, c'est. Ouais, ils sont même pas surpris, ils disent oui, c'est vrai, c'est évident, tu devais en arriver là parce qu'on savait, en te connaissant. Voilà, ça, c'est des personnes très proches et très aimantes, on va dire. Et puis, il y a ceux qui comprennent pas, mais qui ne savent pas de quoi je parle, quand je leur explique, voilà, il y a eu ça, ça, ça. Ok, c'est bien ce qui t'arrive, mais je ne comprends pas. Enfin, ça ne les intéresse pas plus que ça, parce que je pense qu'ils ont... Ils ne connaissent pas, ils ont un peu d'appréhension, en fait. C'est-à-dire que si à partir du moment où ils rentraient là-dedans, ça allait bouleverser leur vie. Et ça leur fait peur. C'est ça le truc, en fait. Souvent, on évite des choses, ou on a peur de certaines choses, par peur. Parce qu'il n'y a que ça, il y a deux choses qui nous font avancer dans la vie, c'est l'amour ou la peur. Hein. De toute façon, il n'y en a pas 50 000, c'est l'un ou l'autre. Il y en a qui avancent tout le temps avec la peur. Et il y a malheureusement dans mon entourage aussi, comme chez plein de monde, hein, des personnes comme ça, voilà. Et qui du coup bah, évitent le sujet ou évitent d'en parler parce que ça ne les intéresse pas plus que ça. Parce que ça dérange un petit peu leur petite vie, quoi. Mais bon, ça c'est pas un jugement, attention, c'est juste que je trouve ça dommage parce que moi j'ai juste envie de leur... partager quelque chose qui pourrait être bon pour eux aussi, quoi. Qui pourrait les emmener dans quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus serein. Mais c'est comme ça, on peut pas... Voilà. C'est fort en émotion. Mm.
C'est fort, hein, l'émotion. Oh oui. Certes, ce que tu vis, c'est un rêve éveillé que tu es vraiment en train de mettre en conscience. J'ai vraiment envie de te dire en conscience parce que voilà, on réalise chaque minute, chaque heure, chaque jour qui est en train de se passer. Je suis vraiment en train de me rendre compte de ce qui m'arrive et c'est merveilleux. C'est une vraie réalisation de tes souhaits, même les plus fous que tu vois. Il y a vraiment cela qui est en train de se mettre en place pour toi et c'est pas après de changer. Que souhaiterais-tu dire à cette Christine il y a quelques années en arrière que tu rencontrerais? Imagine-toi, tu peux même ouvrir, voilà le. Tiens, mais je trouve l'exercice très bon. Prends le. On imagine que la Christine. Ouais, tu reprends le, okay. Le miroir et tu imagines en fait. Voilà, que c'est ton double, mais du passé. Et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette Christine au sujet de sa médiumnité ou de ses peurs? Qu'est-ce que tu... Voilà. Bah simplement que, avec un petit retour en arrière, si je savais tout ce que je sais aujourd'hui, de ce dont je suis capable, j'ai envie de faire une petite parenthèse avant ça. Sur le fait que, alors des fois je veux tellement dire choses en même temps que c'est compliqué, le regard sur moi, ce que j'ai, je voulais revenir un petit peu sur la peur et l'amour, vite fait une parenthèse, parce que j'ai pas fini là-dessus et j'ai un truc qui me revient. J'ai envie de dire aux gens, arrêtez d'avoir peur. Ne faites les choses que par amour, que ce que vous dit votre cœur, parce qu'en fait la peur c'est la source de... Faites les choses avec le cœur, voilà, c'est vraiment la chose la plus importante. Et pour revenir à ta question, tu es revenue, tu as fait un bond dans le passé et tu es voilà, face à elle et t'as si envie tu de... savais, voilà, si tu savais, j'ai envie de te dire que tu vas apprendre des choses, tu vas découvrir des choses sur toi que tu soupçonnes même pas, mais simplement arrête de te focaliser sur ce qu'on t'a dit de toi, sur ce que tu... Le regard des autres, voilà. Ne te fie pas au regard des autres et avance, suis ton intuition, suis ce que te dit ton cœur. Mais ne cesse jamais d'apprendre, d'avoir cet amour de la vie, de la soif d'apprendre, de comprendre. Et c'est ce qui t'amènera à ce but, en fait, de savoir qui tu es. Mais c'est même pas l'important, c'est même pas de... Aujourd'hui, c'est pas de me dire je suis heureuse de vivre ce que je vis, c'est même pas par rapport au fait que je fasse les contacts des femmes, je suis médium, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est d'accomplir sa mission de vie et de réussir à pouvoir accomplir sa mission de vie. Chose que... c'est pas toujours simple d'en arriver là et de savoir de se positionner dans quelque chose d'important pour soi, mais surtout important pour les autres, parce que ça servira à quoi si c'est que pour soi, quoi? On n'est pas venu sur cette terre pour accomplir quelque chose pour soi. Est-ce que cette Christine du passé avait conscience en fait qu'elle était sur la bonne mission de vie ou qu'elle était en train de se planter? Non, j'ai toujours su ça. Par contre, ça c'est un truc hyper... hyper fort en moi depuis toute petite. J'ai toujours su que j'aurais pas une vie tout à fait ordinaire, même si tout était prédisposé pour ça, d'avoir une vie complètement ordinaire. Toute petite, voilà, je voulais pas être maîtresse ni coiffeuse, je voulais être une fée. Bon, ma foi, c'est pas bon. C'est bon, voilà. Mais après, j'ai toujours été attirée par les choses un petit peu comme ça. Qui ne s'explique pas et qui... tout ce que je voyais, c'était bien, c'était magnifique, mais moi, je m'intéressais beaucoup plus à tout ce que je ne voyais pas et que je ne comprenais pas. Voilà, et est-ce que c'était la vraie Christine du passé ou elle n'était pas encore révélée et que la vraie Christine vient parler à la Christine non, du passé pour dire non, sois toi? Il y a deux Christine, il y a deux vies. Il y a la Christine du passé, voilà. Celle qui manquait de confiance, qui s'est cherchée pendant des années, qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui ne savait pas trop, qui s'est un peu perdue, voilà. Qui a fait des erreurs comme tout le monde, voilà. Et puis un jour, il y a eu
Il y a eu des événements qui ont fait que... Puis il y a eu la naissance de mes enfants. Il y a eu la naissance de mes enfants qui a tout changé dans ma vie. Je me suis accomplie en tant que mère, mais j'ai vu la vie complètement différemment et j'ai pris conscience de beaucoup plus de choses pour l'humanité, pour les autres. Voilà. Maintenant, j'avais mes enfants, j'ai cette continuité de moi, qui est de moi, Christine. Et derrière, il y avait besoin de m'affirmer moi, enfin, en tant que femme. En tant que femme, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et puis il y a eu une rencontre juste incroyable qui a changé ma vie. Je ne citerai pas de nom, je ne donnerai pas de détails. Mais globalement, c'est une personne qui a transformé ma vie, qui a... J'ai vu en elle, dans cette âme, le meilleur de moi-même. Elle a su transcender en moi ce qu'il y avait de plus... Enfin, à travers elle, j'ai transcendé en moi ce qu'il y avait de plus beau. Voilà, j'ai pu essayer de ressortir. Je ne dis pas que j'ai toutes les qualités maintenant, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense avoir nettoyé mon cœur, purifié mon cœur, voilà, quelque chose dans cet état d'esprit comme ça, où j'ai pu ressortir le plus beau, le meilleur. Et surtout, elle m'a fait m'accomplir. C'est-à-dire que tout a émergé à partir de cette rencontre. C'est-à-dire que ces capacités que j'ai aujourd'hui, ces choses que je fais aujourd'hui, cette mission de vie que j'ai entreprise, c'est grâce à cette personne, parce qu'elle m'a donné, elle m'a redonné complètement confiance en moi. Elle m'a fait retrouver ma vraie identité. Elle a su me montrer qui j'étais par son amour, par sa bienveillance, par sa belle âme. C'est une renaissance. Voilà, je suis née une seconde fois, mais la vraie Christine qui est née là cette fois-ci, c'est pas pareil. Voilà, et depuis lui, je suis plus la même. Je suis enfin moi, et c'est de l'amour inconditionnel. Voilà. On peut parler de flammes jumelles, oui, bien sûr, on peut parler de flammes jumelles. Je pense que ça parlera à beaucoup. Oui, je pense aussi. Ça parlera à énormément de personnes, ça peut les aider. Je peux en parler aussi en guidance, hein, si ça intéresse les personnes. Je connais bien le sujet. Je suis passée par des phases très difficiles depuis cette rencontre, mais ça en vaut la peine. Parce que c'est que du bonheur, c'est que des cadeaux, c'est que des synchronicités de fou, c'est que des... des miracles qui pleuvent tous les jours, pratiquement. Des choses que... Alors, il y a des gens de mon entourage, proches, plus ou moins, ou des gens inconnus qui vont dire « Elle parle bizarrement, mais de quoi elle parle ?» Ouais, bon. Mais non, mais c'est la vérité, c'est... Voilà. Beaucoup de personnes se reconnaîtront aussi, hein, des petits cœurs qui pleuvent de partout, des petites choses, voilà, des choses belles, des choses... mais parce que l'amour inconditionnel, c'est le vrai et l'unique amour. L'amour pur, je parle de l'amour pur. L'amour possession, l'amour jalousie, l'amour je te veux, je ne sais pas exister à travers autre personne que toi, c'est pas de l'amour. L'amour je te garde, l'amour tu fais ce que je... Non, l'amour c'est pas ça. Voilà, j'ai appris à travers cette rencontre ce que c'est que l'amour véritable dans le sens divin du terme. L'amour divin, voilà. C'est ce qui est descendu à travers cette rencontre. Je sais ce que c'est qu'aimer sans condition, sans rien demander à l'autre, juste respecter ses choix de vie, respecter ce qu'elle entreprend pour sa propre guérison aussi. Et elle m'a permis de... avec tout l'amour qu'elle a dans son âme, de me respecter, de m'aimer de telle manière qu'elle a pu trouver la force d'être séparée de moi pour que je puisse moi m'accomplir de mon côté, pour que je puisse m'élever dans ma divinité, dans mon humanité, dans ma mission de vie. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est ce que j'ai entrepris. Ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai baissé les bras, souvent. J'ai eu des moments de doute. Et puis là-haut, il ne nous lâche pas, quoi. Il ne nous lâche pas avec les rencontres, les belles rencontres, les synchronicités. Toutes ces choses qui nous mettent sur la route pour nous porter, pour nous aider, pour nous dire « Vas-y, continue, tu vas y arriver. Vas-y, continue, tu vas y arriver. » Voilà. Les flammes jumelles... Partout dans le monde, on en parle. Partout dans le monde, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le phénomène. Il y a des personnes qui vivent le phénomène. Il y a des personnes qui connaissent simplement le phénomène.
le but ultime, c'est de remettre au goût du jour, j'ai envie de dire, ou de remettre des choses à plat, et de montrer et d'expliquer, ou non, je sais pas, mais c'est pas vraiment les termes exacts, de faire émerger, voilà, ce que c'est que vraiment l'amour pur, l'amour véritable, et remettre en question tous les schémas qu'on a appris sur l'amour, parce que c'est pas ça. Personne nous appartient, comme a dit Paulo Coelho, que beaucoup de personnes doivent connaître, voilà, un auteur juste magnifique. L'amour, c'est rendre libre. C'est la pure définition de l'amour. C'est parfait. Je voulais en plus, j'assure aux abonnés que j'aimerais bien qu'elle finisse par une citation là, ponctuée pour nous laisser juste là. Si ça, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Non, l'amour, c'est rendre libre. C'est tout. On ne veut que le bonheur de l'autre. Sinon, c'est pas l'amour.